Bonsoir et bienvenue sur la Dakazone. Ce soir, nouvel épisode sur les débriefs de tournois. Profitez-en, ça sera le seul débrief que je ferai sur une Ligue 3, parce que effectivement, la Ligue 3, vous êtes vraiment très nombreux, donc ça me prend déjà pas mal de temps de faire la L1, la L2, le Big Four, etc., les playoffs. Donc là, comme c'est les copains du Sud, j'en profite quand même pour leur donner la parole, expliquer comment ça va se passer, comment ça se passe sur les L3. Et voilà, donc profitez-en, posez toutes vos questions que vous avez justement sur l'organisation des L3, qui sont un petit peu différentes des autres étapes de la ligue. Et puis voilà, donc je vais donner la parole aux copains dans quelques instants. N'oubliez pas, évidemment, je vais renvoyer toute la vidéo sur YouTube par la suite. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit like, etc. Ça fait toujours plaisir, ça montre que le travail que je fais vous plaît et c'est toujours motivant d'avoir un petit retour, ne serait-ce que pour s'améliorer ou pour trouver des groupies le soir dans les hôtels à l'extérieur, comme les rockstars. T'es pas d'accord avec ça, Kurz? Ah, entièrement, entièrement. Alors, sachez que Kurz, que vous avez là, qui vient de répondre, qui est le capitaine de la team Bière et Pistache, est mon conseiller en images. Non, il m'a donné beaucoup. Ben, quand tu vas te présenter, tu n'hésites pas à parler un petit peu de ce que tu fais, justement. Et avec Crank, il fait partie des gens qui m'ont beaucoup conseillé avant de lancer la chaîne. Donc c'est pour ça que vous avez une chaîne de qualité internationale dès le départ. Allez, trêve de plaisanterie. Je vous laisse vous présenter. Kurz, je te laisse faire en premier. Forcément, c'est toi qui seras le plus à l'aise. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, les autres intervenants n'ont pas pu brancher leur caméra pour diverses raisons. Donc, on va commencer par Kurz que vous voyez à l'écran et puis on passera aux autres petit à petit. Eh Je t'en bien, prie. bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, Kurz, capitaine de l'équipe Bière et Pistache. Alors, en fait, personnellement, ça fait depuis 2018 que je joue à 40 000. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'équipe de copains à Table Rase Aix-en-Provence. D'ailleurs, Christophe, on se connaît un petit peu. Voilà, j'ai attaqué le compétitif avec cette équipe de copains de Table Rase Aix-en-Provence avec hier, en 2019. Donc, on était passé au PACA, puis après on est passé à Paris, on a fait 10e place. Et puis, concernant une autre, ben, la vie a fait que on s'est petit à petit marié, on a commencé à avoir des enfants, et on a profité de l'essor de 40K et de ces différentes ligues pour s'y remettre et commencer avec la Ligue 3. Donc voilà, une équipe de jeunes papas qui se remettent petit à petit. Compétitif et donc voilà, on était content pour ce match aller de revoir les copains des différentes équipes et de passer un bon moment à Maligé sur ce tournoi organisé par notre association Bassal pour Arcade. Voilà. Merci à toi. J'ai oublié ma question la plus importante du début du chat. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous avez bien entendu Kurz? Si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas à laisser un petit message à ce sujet. Alors, on a un couple à l'écran. On a failli les attraper dans un moment gênant tout à l'heure. Ben, on vous laisse vous présenter. Alors, nous, du coup, on fait partie du staff de Bassal Wargame. Donc, Thomas, ici présent, qui est le trésorier du coup de l'association, et moi, je suis le président. Donc, pour ma part, ça fait de nombreuses années que je joue. Avec des moments d'arrêt ou pas dans le hobby avec les études etc. Donc là ça va faire 2 ans, enfin 1 an et demi qu'on a monté l'association. On a un bon petit groupe, il n'y avait rien du tout dans les Alpes-de-Haute-Provence. Là on va arriver à une cinquantaine de membres. Donc grosse association.
On se regroupe toutes les semaines. Bonne équipe qui est tournée vers le compétitif, tout ça. Donc quand Curse nous a dit tiens, ça serait sympa qu'on soit un peu support pour la L3, bah, nous on fonce, hein, donc on y va. Et on a du coup organisé le match aller. On va faire le retour aussi à la maison. Et on espère que tout se passe bien. Donc on est très content. Et vous êtes basé à Malijai, c'est bien ça? À Maligé, c'est ça. À Maligé, qui est assez central, en fait, finalement, entre Aix-en-Provence et Gap, juste à la sortie de l'autoroute. Donc, comme on touche un petit peu tout le département, ça veut dire que ceux qui sont du côté de Manosque et un peu plus au sud peuvent monter, et ceux qui sont quasi sur Gap peuvent descendre chez nous et venir jouer. On a une grande salle toutes les semaines, donc ça, c'est super sympa, voilà. Et vous vous Et on réunissez fait. quand en semaine? Pardon? Vous vous réunissez quel jour pour les activités du Soit club? le vendredi soir, soit le samedi. Donc le vendredi soir, on a la salle à partir de 17 h jusqu'à minuit, ou un peu plus. Et le samedi, on peut commencer à 8 h, 8 h 30 jusqu'à 20 h. Très bien, bah écoutez, si vous êtes dans le 04 ou pas trop loin, n'hésitez pas à aller Oui. voir le club. De Maligé, donc j'ai perdu le nom, excuse-moi, tu peux me redonner le nom du club? C'est Bassal Power Game. Bassal Power Game, donc on est à Maligé un vendredi sur deux et un samedi sur deux. On organise depuis quelques temps maintenant, c'est un gars de l'équipe, c'est Astorm, des Ouais. tournois aussi en solo qui sont régulièrement sur MHQ. Vous pouvez les retrouver du coup sur la partie individuelle de MHQ. C'est des tournois de 10 à 12 joueurs et il y en a à peu près un tous les 2 mois, si je dis On pas de fait en général bêtises. un par mois, ouais. Ouais, on est On un fait un par mois mois, sur voire un. MHQ et après on en fait d'autres sans MHQ. Voilà. Ça va. Alors, juste pour rappel, les gars, je vous en ai parlé tout à l'heure. Surtout, évitez de parler pendant qu'il y en a un autre qui parle. Parce que quand on est en IRL, ça peut encore passer. Mais dès qu'on est enregistré comme ça, on ne comprend plus rien des deux côtés. Faut vraiment bien respecter les temps de parole. Et ouais, donc c'était justement la question suivante que je voulais poser, à savoir que vous commencez à organiser des tournois. Et quand est-ce qu'on va vous voir sur les tournois sudistes? Parce qu'on ne vous voit jamais en Nous? fait. Oui, vous. Eh ben, il faut bien quelqu'un qui prépare les salles et qui prépare les pizzas et pour nourrir les joueurs. Donc, Ouais, nous on organise bien, on joue mal. Pas tout fait. n'y a pas de mauvais Oui, joueurs, c'est juste le manque de pratique. Ne vous inquiétez pas. oui, oui. Non, non, mais écoutez, c'est très bien. En plus, 50 adhérents, c'est beaucoup. Vous avez une team L3. Bon, c'est commun. Son Curse a déjà dû vous l'expliquer. Hein. Faut surtout pas hésiter à aller faire des tournois, à vous déplacer un petit peu. C'est ce qui va forger justement votre envie de la compétition. C'est ce qui va vous permettre de sortir un petit peu des habitudes que vous prenez avec vos joueurs réguliers. Et ça va vous. Alors, même si avec TTS tout ça change un petit peu, je ne sais pas si vous avez des joueurs qui jouent à TTS, mais le fait de rencontrer d'autres personnes sur d'autres tournois IRL, etc. Ça va vraiment vous conditionner sur comment fonctionnent les rondes, les cloques, etc., etc. C'est vraiment important. Et faites un maximum de tournois et ne serait-ce que pour le côté convivial, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs. Vous allez voir, vous allez tisser de belles amitiés ludiques également. Oui. Du coup, comme beaucoup de wargamers, on était bien sûr bien représentés la semaine dernière au French Wargame Day à Ah, Grenoble. Hein. ça c'est cool, très On bien. avait On avait au une moins une quinzaine, quinzaine de joueurs de l'association là-haut. Hein, tous avec des très bien. t-shirts, Ah, ça tous. c'est très bien. J'ai vu passer quelques messages sur Facebook de la part de Table Rase Gap, qui a envoyé aussi des joueurs. Donc c'est bien, c'est bien. Les Alpins sont allés chez les Grenoblats, c'est très bien. Oui, Et puis en on a fait, un membre qui est parti en tant que photographe un peu pro en presta et qui a fait de magnifiques photos. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à aller voir. sur Facebook, c'est Obsis Création, beaucoup de photos de Wargame. C'est lui qui a tenu tous les FWD pratiquement en termes de photographie. C'est un super boulot.
Très bien. Et vous avez principalement fait le 2v2, j'imagine? On a fait tous les formats avec les 15 personnes de l'assaut. On a fait du compétitif en 2v2. En 2v2, on a fait du Tempête of War, du narratif. On était pratiquement sur tous les formats. On a du 1v1 aussi. Et pas que 40K sur d'autres jeux aussi. Oui, sur AOS, Sur oui. AOS aussi. Ouais. D'accord. On a une équipe qui arrive première ex aequo en AOS narratif. D'accord. Bon, pour nous qui sommes un peu plus compétiteurs, tu fais du narratif, Kurz? C'est vrai? Comment te dire hein? Tu. Non, c'est pas C'est ma pas ta tasse de came, thé, le ouais. narratif, quoi. C'est pas ma Bon, came. c'est bon. Juste pour compléter les propos de mes camarades, donc en fait, si tu veux, 0,4 et 0,5, les départements, on est étroitement liés en termes de wargame. Ouais. Tu as Basalt Wargame et tu as Mountain Wargame, l'association à Gap. Et en fait, c'est quasiment deux associations en une qui sont aussi représentées dans l'équipe. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir ce pool de joueurs, une cinquantaine de joueurs, tous jeux confondus. Après, il y a du 40K, il y a du Necromunda aussi, il y a de l'AOS. Et effectivement, ça nous permet justement de se réunir régulièrement et de trouver des joueurs, en tout cas, même à la campagne. Ben, les gars, je connais très bien. Moi, je suis originaire d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, donc je connais très bien Voilà, le coin, forcément. même combat. Donc c'est super. Je me suis souvent posé la question de savoir s'il y avait un peu des joueurs dans le 0,5 et dans le 0,4. Bon, ben maintenant, j'ai ma réponse. Il faudra vraiment que je passe vous voir. J'étais passé une fois à table rase Gap. Je crois que c'est Boris Ouais. qui tient la boutique. Mais j'ai pas creusé plus avant. Et ouais, je monte souvent en plus. Mes parents habitent toujours là-haut. Donc ouais, il faudra que je prenne les figues la prochaine fois et qu'on voie comment on peut faire. Puis de toute façon, Maligé, ça a combien d'ex? Texte 45 minutes, 1 heure quand même, facile. Ouais, bon, ça peut se faire une fois de temps en temps. J'essaierai de monter sur une de vos sessions. Super. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec tous les autres qui sont pas des wapins ou on reste entre wapins? Allez, on va passer la main à Lorican, donc c'est le carré qui est ouvert, enfin le rectangle qui est ouvert. Et ben écoute, présente-nous un petit peu ta team, ton club, enfin ce que Ça tu veux. marche. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? C'est OK? Ça va. Ça passe. OK. Je vous épargne mon visage parce que c'est vrai que j'ai une sale gueule. Non. Je suis Lorican, capitaine du CVE. Voilà. Que dire? On a passé un super tournoi, on s'est régalé. Nous, dans notre club, on n'est plus du côté compétitif au niveau 40K. Donc c'est vraiment une bande de potes qui essayent vraiment de faire du compétitif, même si je suis arrivé dernier de la Med Cup solo, hein, je tiens à le préciser. J'ai gagné une bière, c'était cool. Voilà, c'est ma fierté personnelle. Premier dans quelque chose en partant de la fin. Voilà. Alors, le CAVE, vous êtes basé à Roquebrune. Ouais, on est sur Roquebrune, on prend la zone de Fréjus, Roquebrune, on a certains qui viennent de Toulon, Cogolin-Saint-Trope, certains aussi qui viennent de Draguignan, et on en a un qui vient d'Antibes. D'accord. Et donc, votre club, vous réunissez le dimanche, il me semble, c'est bien ça? Alors, on a deux sessions, une le mardi soir entre 20h et minuit à une salle à la Bouverie, et une session le dimanche toute la journée, là où est-ce qu'on fait d'habitude les tournois, au stade Suzanne-Régis. Très bien, donc bon, c'est un club qui est connu dans la région, qui est présidé par Grand Chaman, qui est secondé par Lebin, deux personnes que l'on embrasse chaleureusement. Il y avait aussi Alpha qui était dans ce bureau pendant un temps. Maintenant, ben, il se consacre plus à l'équipe du Portugal.
de 40K, puisque Tout à c'est le fait. capitaine de l'équipe du Portugal. Et donc, vous avez également donc une team qui, cette année, est en L3. Et on verra plus tard les résultats. Vous allez concourir au retour, malgré tout, au play-off. Enfin, tenter d'aller au On va play-off, quand en tout même tout cas. faire pour. Ouais, vous allez tout faire pour y arriver. Et Exactement. on va en parler un petit peu plus tard. Et au CFVE, donc vous jouez à 40K, vous jouez à d'autres jeux? Alors, ouais, on a beaucoup de Star Wars Légion, de Necronda, je crois, du Warcry, du AOS. Et là, on veut se lancer aussi dans le nouveau jeu, là, Conquest. Et la dernière vidéo, Voilà, alors là, Horus Hérésie. on t'a perdu là sur la fin. Donc vous allez vous mettre à Conquest et à Horus Hérésie. Et je crois que c'est. J'ai résumé et on ne va pas en demander plus. D'accord, Alors ça Conquest marche. qui visuellement en tout cas ressemble un petit peu à Feu Battle, on va dire, puisque ce sont des régiments aussi, avec des très jolies figues, un lore très 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 bien construit. C'est un jeu qui a clairement du potentiel, qui vient des États-Unis, qui a l'air d'être très bien ficelé, très bien entouré. Moi, enfin, ça me titille un peu Conquest quand même, j'avoue. Alors, qui en a d'autres? On a le petit bosseur qui va représenter la team en Ville Dragoon qui est en L3. Et alors, ton capitaine, ton vice-capitaine, ils ont tous eu peur de venir et ils t'ont refilé le bébé. Donc, écoute, c'est à toi de présenter ton équipe, ton rassemblement, ton club, ta ville, ton quartier, ce que tu Eh ben c'est parti alors. veux. Je vais commencer par moi. Donc moi, bonsoir tout le monde déjà. Moi c'est Bowser. Donc je joue à 40K depuis longtemps avec plein de pauses comme tout le monde. Et je me suis un peu mis au compétitif l'année dernière où j'ai remplacé dans des teams L2. L'année dernière c'était du L2. C'était toujours mieux de m'avoir moi que d'avoir personne. Donc ils m'ont accepté. Et cette année, quand le groupement en ville a dit on fait une team L3 ou pas, il y a 6 PQ qui ont levé la main, qui ont dit nous on est pour. Et donc on a fait une team L3 du regroupement en ville. Je crois que tu connais Manu, Oui, de par là. je connais un petit peu. Ouais. Voilà. Sinon, je vais finir sur moi pour la pratique du jeu. Ben, je joue à la croisade provençale. Ça aussi, je crois que ça te parle un peu, basé à Simiane. Et puis, on va passer sur l'équipe. Alors nous, pour le coup, on a été un peu l'équipe des touristes, parce qu'on a tous levé la main, mais on ne se connaissait tous pas dans le groupement. On s'est rencontrés pour la première fois vendredi soir. On n'a même pas fait de Discord de préparation, je crois. Non, on n'en a pas fait. On a juste rempli des estimés. Et en plus, on avait perdu un joueur, donc on avait un de nos joueurs qui a fait sa première partie de 40K V9 le samedi matin. Voilà. ça c'est l'esprit L3, ça. Ouais, voilà. Donc, quand je vous dis qu'on est des touristes, on est des touristes. Cela dit, ben, ça s'est super bien passé. L'ambiance Malijai, ben, je remercie les orgas parce que c'était super cool. Et puis après, pour les résultats, on verra plus tard. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. Alors pour la petite histoire, tu es le beau-frère de Rabbit Master, qui est un peu plus connu, qui a été en équipe suisse, qui a pendant été un temps le rédacteur des facs de l'ancienne fac, avant que le bureau actuel soit présent. Et tu es universellement reconnu chez nous comme étant un joueur poissard de l'extrême. Pas tout à fait vrai, mais j'ai plus tendance à être poisson qu'autre chose. Mais il y a des parties où je passe de l'autre côté. Ouais, je Et sais, je m'en rappelle. la game de ce week-end-là, tu vas voir qu'en fait j'ai deux games où je suis chatard et trois games où je suis absolument pas chatard. On y reviendra sur les games plus tard. Un gros râleur aussi, beaucoup de sel quand il déchatte, mais Malheureusement, oui. il fait tout son possible pour travailler ce côté-là joyeux de sa personnalité et il fait tout ce qu'il faut maintenant pour ne plus râler en partie. À chacun ses gloires, Exactement. ou pas. Bon, mais c'est bien. C'est bien. Alors la particularité, c'est que
Alors cette année, c'était un petit peu compliqué chez les Anvil, il y avait pas mal de bisbilles, etc. Et donc, vous avez été coaché finalement par un joueur qui n'est plus chez les Anvil, qui s'appelle Scully, que l'on remercie de vous avoir coaché dans tous les cas. Bah écoutez, on a fait grosso modo le tour. Alors, malgré tout, il nous manque les représentants de trois équipes. Alors, il y avait les deux teams NWA de Ligue 3. C'est une team qui a également une team en L2 Sud-Est, qui a fini second d'ailleurs de sa ligue. Ce sont les petits ramoneurs savoyards qui ont fini premier et qui vont aller faire le playoff pour tenter la montée en L1. Et là, sur cette ligue PACA, on a donc deux teams NWA, une qui s'appelle la Noix de Cajou et l'autre qui s'appelle First Blood. Et on a également une team d'anciens du coin qui ont été. Ouais, ils ont connu. C'est des dinosaures là. pour certains, c'est plus que des dinosaures même. Et cette année, ils s'appellent la team Manouchi. C'est vraiment la team de vieux joueurs du coin, de copains, etc., qui viennent faire un tournoi dans le coin pour s'amuser et qui se prennent pas la tête sur les résultats. D'ailleurs, je crois que depuis qu'ils sont engagés, ils ont toujours fini dernier de leur poule. Et là, j'ai l'impression que c'est bien parti pour, encore une fois. Oh. Oh, on les adore, c'est Ouais. la team papy, C'est la team c'est papy, toujours un ouais. plaisir de les voir d'ailleurs. Aod et J'embrasse compagnie. Az et Cassim, Aod et papy, tout ça. Non, c'est toujours un plaisir parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est des joueurs qui viennent pour s'amuser. Ils prennent du bon temps, ils viennent voir les copains. Ils n'ont pas un roster malgré tout, ils sont travaillés, il y a des bonnes choses. Moi, je suis sûr pour le retour, à mon avis, on va avoir droit à des surprises pour le retour de ma part. Ah Je bah serai pas aussi catégorique que toi. écoute, là ils ont un point. Ouais. C'est déjà beaucoup plus que les années précédentes, il me semble. Mais je dis ça, je suis pas du tout moqueur, les gars. C'est une team qu'on Non, bien adore. sûr. C'est les copains du club aussi, hein. Il y en a qui font partie du club. C'est juste que voilà, ils font partie de ces joueurs qui tentent de progresser, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais on a. Alors, si Bowser est le prince de la Malchatte, on a Aod, lui, c'est le grand roi, l'empereur de la Malchatte. Il y a des profils comme ça où, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils n'y arriveront pas. C'est clair. Bon, allez, ça va. On va. Ben avant que je montre un petit peu les résultats, les rondes et qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors là, c'est un peu compliqué parce que malheureusement, il manque la moitié des teams. Mais comment s'est passée l'organisation du tournoi? Tout s'est bien passé. Vous avez eu un arbitre, pas d'arbitre. Les tables, c'était OK. Enfin, parlez un petit peu de l'orga général avant qu'on rentre dans le résultat des games. Alors nous, pour l'organisation, c'était assez compliqué au début, parce que en fait, là où on se retrouve comme Maligé, c'est un ECE, un espace collaboratif et équitable, donc il y a plusieurs associations, et on comptait sur une association interne à l'ECE de Maligé, Voilà, qui nous aidait c'est des mots gauchistes, ça. Ouf, attendez, ça fait mal aux oreilles. à... pas choisi. Du coup, on comptait sur une association interne pour nous aider à faire les décors, donc 28 tables, enfin la totale quoi, fait en MDF, découpé propre, nickel. Finalement, ça s'est pas fait. Donc, on s'est retrouvé à faire 419 décors à la main en moins de 2 semaines. C'était chaud, Attendu. c'était rush. On a réussi, on était déterminés, on a une bonne équipe organisée. Donc, ça s'est fait, c'était top, c'était nickel. Niveau organisation générale, Juste au cas où, mais Curse, ça tu le sais, nous on a un gros stock de décors qui est pas loin. Hein. La prochaine fois, les gars, que vous avez des problématiques comme ça, vous emmerdez pas, vous nous contactez et on se débrouille pour que vous récupériez les décors. En plus, Curse, je crois que tu travailles toujours sur Marseille, donc tu passes pas loin de chez moi régulièrement. Donc tout tient dans des caisses.
Pensez à demander, on vous les prêtera avec plaisir. Nous, bah, c'est très gentil. Après, nous, on s'est décidé de faire des décors internes aussi pour le fait que, comme a dit Kurt, on fait des tournois assez régulièrement. Mensuellement. Donc, mensuellement, et on se retrouve avec déjà deux tables de prise tous les mois. Et on compte à la longue faire louer de plus grandes salles et organiser des tournois plus grands. Parce qu'on se rend compte que finalement, on a une équipe. On a des joueurs compétitifs qui sont là très souvent. Et que si on organise quelque chose de plus gros, on peut toucher encore plus loin qu'autour de Maïgé, Gap et peut-être aller chercher Aix aussi. C'est pour Oui, une bien journée sûr. complète, un week-end, c'est très possible. Alors, Donc on. très honnêtement, hein, sur un tournoi de 12 personnes, on va avoir peu de gens qui vont se déplacer, mais si vous commencez à faire des tournois à 30-40 personnes, c'est évident qu'on va se déplacer à plusieurs, hein. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Il suffit juste de nous le dire, et puis après, nous, on est pareil, on est une trentaine, on trouvera toujours du monde pour venir s'amuser, hein. Surtout que. Le soir, on n'est pas obligé d'avoir un hôtel, etc. Un coup de voiture, on rentre à la maison. Ça fait un petit peu de route, mais 1 heure de route, c'est pas non plus la mort. Oui, là pour l'instant, c'est ces tournois en fait à 12 tables, donc à une vingtaine de joueurs. Après, là voilà, on aimerait passer sur du tournoi à 40 joueurs en fait, où là ça touche. Après, on en a déjà hein, des joueurs qui viennent du sud d'Aix, Ouais. voire même quasi de Marseille, pour justement tester des listes parce que ben quand on a des petites datasheets comme dans pas longtemps qui sortent. Il y a peu de tournois. Là, nous, on fait des tournois mensuellement. Donc, ben, tu viens tester sur trois rondes, sachant qu'il y a quand même un niveau plus que correct, je trouve, à la maison. Donc, voilà. Donc, ça peut permettre de tester autre chose. Soit un petit tournoi qui, finalement, pour un non-membre de l'association, coûte que 5 euros. Et puis, l'adhésion à l'association, c'est que 20 euros à l'année. Donc, si on a prévu de venir plusieurs fois. Finalement, on n'a que le prix du transport. Alors que sur un gros tournoi d'une quarantaine de joueurs, là de suite, on va engager quelques frais. Que Oui, non, nous, que. c'est normal. Puis je pense que dans les 5 euros dont tu parles, il n'y a pas les repas quand même. Donc Non, il n'y a pas c'est les repas. tout ça, c'est normal. Et moi, quand je fais un tournoi, maintenant, c'est 60 euros. Hein. La taille, la nourriture, etc. Enfin, tu es obligé d'en passer par là, les assurances. Et puis, tu es obligé de faire du bénéf pour pouvoir racheter du décor ou reconfectionner du décor. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'on a évolué. Hein. Moi, ça fait 20-25 ans que je fais du tournoi. C'est vrai qu'au début, on faisait des tournois, on payait 20 euros. Enfin, 20 francs, pardon. 20 francs. C'est plus possible. Enfin, la vie a évolué. Hein. Et donc, pour une association, aujourd'hui, faire un tournoi, c'est aussi une rentrée d'argent. Parce que, comme tu l'as dit souvent, au niveau des PAF pour les membres, on reste raisonnable. Mais les clubs ne peuvent pas inventer des décors, ne peuvent pas inventer des tapis, payer l'assurance pour les murs, etc. Comme ça. Donc il faut que l'argent rentre. Et l'argent rentre par les tournois. Donc quand on vous propose un tournoi, c'est aussi une façon de faire vivre les clubs. Donc voilà, les PAF, je sais qu'au début, on se dit toujours, ah, oh, mais on n'ose pas trop. Mais les gars, vous allez vite comprendre que il faut vous demander les PAF que vous devez demander. Point. Vous faites payer la nourriture, vous faites payer les goodies, les lots, etc. Mais à côté, il faut que vous ayez votre budget de fonctionnement et un budget aussi pour anticiper le futur. Là, il y a la V10 qui arrive. Peut-être que les décors vont changer. Et toutes les soirées décors que vous avez fait, il y a une partie des décors là qui ne seront plus réutilisables. Il faudra repartir sur d'autres décors. Donc il faudra racheter alors, soit des décors, soit la matière première pour les confectionner. Donc il faut mettre en place les PAF qu'il faut, et puis c'est tout. Hein. Les joueurs ensuite choisissent. Hein. Aujourd'hui, quand on va au cinéma, tu vas au cinéma avec ta femme et ton gosse et tu prends du pop-corn et une boisson, tu ressors de là, t'as payé quasiment 50 euros. Donc, quand on fait le rapport entre les deux, on se rend compte que finalement, un tournoi de 40K en lui-même, la PAF, c'est pas grand-chose. C'est ce qui est à côté qui peut coûter cher. C'est le déplacement, c'est l'hôtel lorsqu'on fait des longs voyages. C'est ça qui coûte vraiment cher. Et on parle même pas des figurines, hein, évidemment.
Donc voilà, allez faire un tournoi à 1 heure de route, c'est les vacances, hein. Donc vous inquiétez pas pour les PAF, utilisez les PAF que vous devez utiliser. Tu es d'accord avec ça, mon petit Kurz? Ah, mais sur la PAF, ça dépend encore une fois. C'est vrai que pour notre association, pour le moment, on se fait connaître. Enfin, en tout cas, et je le remercie encore une fois, merci Thomas, parce que pour la petite histoire, je suis arrivé sur le Discord de l'asso. J'ai dit, bon, les gars, ça vous dirait d'organiser le L3 aller et retour? C'est ça. Il n'y avait aucune expérience d'organisation de tournoi, hein, externe, etc. Donc, ils se sont prêtés au jeu, ils ont réalisé plus de 400 décors, enfin voilà, toute la société est mise, et au final, on a passé un super week-end. Mais c'est vrai que sur les PAF, nous, on est toujours resté assez petit parce que c'était des joueurs du coin, jusqu'à présent. Donc, c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure, après, ils verront comment ça se développe au niveau de l'asso, mais oui, effectivement, quand tu fais des tournois comme les tiens, la Mad Cup, etc., tu vas commencer à louer une salle un peu conséquente, tu vas avoir ben justement des coûts un peu plus conséquents. Ben bien sûr, la question de l'augmentation de la PAF, on propose évidemment. Ok, et vous les joueurs alors, et les représentants d'équipe, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet orga? Mon petit Bowser? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était nickel. On a passé un très très bon week-end, nous. Il y avait la bouffe, c'était pas mal. L'accueil était très bien. Et puis les décors, franchement. Bon, de toute façon, quand on est en compétitif, on va pas pour regarder si les décors sont fluff, hein, on va pas se mentir. On va regarder juste s'ils sont bien pour le jeu. Et pour le jeu, ils passaient très bien. Donc, je félicite l'orga et je peux parler au nom de toute ma team pour dire qu'on a passé un super week-end. Parfait. Merci. Et toi, mon petit Lorican, t'as été bien reçu? Ah non, franchement, non, c'était horrible. Non. Pour être sérieux, oui, les décors étaient super beaux parce que, mine de rien, il faut le souligner. Ah, je suis désolé, Lorican, je suis Ils étaient désolé, mais tous travaillés dans la première salle, la première partie Lorican. qu'on a fait, on s'est amusé tous à regarder tous les membres de mon équipe à regarder tous les décors, ce qu'il y avait écrit sur les murs, parce que c'était personnalisé à chaque fois. Les petites Allô? plaques. Allô? Non, c'est fini. Alors, c'est très variable, ton son aussi, il est très variable. Des fois, on t'entend, des fois, on t'entend pas. Bon, je suis Ah, désolé, mon je vais être son obligé est de. variable. Ouais, je vais être obligé de limiter un petit peu ton temps de parole parce que c'est pas super agréable. C'est une horreur. Ouais. Pour reprendre ce que disait l'Orican, justement, oui, toute la sauce s'est amusée à mettre des tags sur les différents décors, ce qui apportait une plus-value. Et puis, tu as des trucs un peu sympas qui parlaient de toi, bien évidemment. Ta faction préférée, Mano. Et Qui n'existe pas. Et donc voilà, tu avais des tags en rapport à 40K, c'était super bien fait, c'était comme des tags sur les décors, et donc ça apportait un petit plus. Et ouais, effectivement, quand on a réuni toutes les équipes dans la première salle, tout le monde s'est mis à regarder les décors, à chercher les tags, etc. Et voilà. Non, mais c'est cool, c'est cool. Bah écoutez, on va regarder un petit peu on va rentrer dans le vif du sujet du jeu. On va regarder un petit peu les résultats. Hop, là, je passe sur MHQ. Donc là, on a le résultat final. On a Bière et Pistache, la team Bière et Pistache qui finit premier du L3 PACA aller avec 10 points, donc 5 victoires. On a la team du CFVE qui est à 8 points, donc 2 points derrière les bières et pistaches. Ensuite, le trou est un peu plus conséquent avec la Noix First Blood qui est à 5 points, la team Anvil qui est à 4 points, la Noix de Cajou à 2 points et la team Manouchi qui est à 1 point. Alors lorsqu'on regarde le classement là, donc on voit très clairement que deux teams sur le match retour vont se disputer la première place pour aller faire le playoff. Et donc dans ces deux teams, on a bah, ta team, Kurz, parle-nous un petit peu de votre week-end en général. Ah ben, alors, nous, au niveau du week-end, c'est bon, on va pas se le cacher, on joue la première place. Nous, l'objectif, il est clair, c'est de se qualifier en L2.
On était parti sur justement à engranger le maximum de victoires et le maximum de points au vol-à-virage. Et on avait très clairement, bon, on savait déjà depuis quelques mois, repéré une team qui potentiellement nous poserait problème, bien évidemment. C'est la team, c'est CFE. On savait que c'est là où on risquait d'avoir justement le plus gros accrochage. Et comme on a l'habitude dans l'équipe depuis ce team table rase et en ville, etc., systématiquement, dès qu'on fait un tournoi, on tombe sur l'équipe où ça va être, dès le premier round, où ça va être le plus compliqué, quoi. Donc, on est tombé au premier round toute la CFE. Oui, oui, je t'en prie, continue. Et donc, effectivement, premier round contre le CFE, donc l'équipe de l'Orican qui était justement qui était bien entraînée, qui avait bien bossé leur appareillement. On a géré l'appareillement avec l'équipe. Et finalement, alors juste de reprendre un peu le. Alors je mets en même temps, je montre, je monte sur MHQ. Donc vous avez gagné 75 à 45. Alors oui, particularité des L3 par rapport à toutes les vidéos que vous avez pu voir sur la L1 et sur la L2. Les teams ne sont pas de 8 joueurs, mais de 6 joueurs. Donc forcément, le scoring est différent. Quand on joue à 8, le petit écart du match nul est compris entre 75 et 85 points. Là, je sais pas, c'est toi qui vas m'éclairer exactement. Le match nul, il est à combien? Entre 55 et 65, j'imagine. Si je dis pas de bêtises, il faut si à 10 points, si on a 10 points d'écart au moins, c'est un match nul. C'est ça. Donc, si un de mes collègues capitaines peut m'éclairer. Ouais, c'est ça. De ce que je vois, c'est 65-55. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Je sais pas si tu m'entends, j'ai changé de place. Excuse-moi, ouais, Manu, mieux. Tu m'entends mieux, là? Ouais, on t'entend mieux, ouais. C'est bien. Okay. Ne bouge plus. Ok. Je bouge plus. Tu frises. Ouais, donc, 75 à 45. Là, je vais montrer les parties. Donc, vous avez notamment votre custo Benito qu'on salue. Qui joue contre Scaléo, qu'on salue aussi. Bon, en fait, je salue quasiment tout le monde. Là. petit match nul à ce niveau-là. L'Orican, qui joue Custo, qui joue contre votre CK. 16-4 pour le CK. Carbo, qui joue contre Manoé. Alors, Manoé, évidemment, qui joue Eldar, puisque c'est un joueur Eldar uniquement. 20-0. Kurz, tu joues SMC et tu perds 5 à 15 contre le culte de Verratti, qui est un très très bon joueur. Ouais. Ensuite, on a un match nul entre Sirnag et Rarnak, qui jouent respectivement Dark Angel et Astra, donc les deux codex pour enfants de cette fin de V9. Et ensuite, Iscariot, qu'on salue également, le tenancier de la boutique Table Rase à Aix, n'hésitez pas à passer le voir, vous serez toujours très bien reçu et très bien conseillé, qui joue Dark Angel, historiquement aussi, et qui gagne 14-6 contre les tyrannies de Chicken. Alors là, si je ne me trompe pas, je vois 4 anciens de la team Table Rase dans la team Maligé, plus, donc j'imagine, deux joueurs de la team Maligé, c'est correct? C'est ça, oui. On a fait un petit regroupement entre Aix et Maligé pour la team de la Somme à 5 points game. Et on s'est plutôt bien trouvé, comme je te le disais en live. Pour revenir sur les appareillements, c'est vrai que c'était. Bon, on tombe sur l'équipe qui représente sur le papier la plus grosse menace pour nous. Donc les appareillements étaient quand même déterminants. Et comme tu le vois, ça s'est quand même joué à pas grand chose. Donc, pour moi, les appareillements étaient tout à fait corrects. Étant donné que j'avais la liste, pour moi, dans mon équipe, j'avais la liste la plus faible contre cette équipe, il fallait que je serve un peu de. Que j'absorbe un peu une grosse liste de l'équipe de l'Orican. Et donc, c'était très simple, il fallait que j'arrive à mettre de côté soit la liste de Nico, donc le culte, soit la liste de Manoué en Eldar, qui représentait pour nous les deux listes les plus compliquées à gérer. Donc je vais chercher Nico, et derrière j'arrive à placer
J'arrive à placer Carbo sur Manwe. Carbo qui est un excellent joueur, qui a d'ailleurs marqué 98 points sur 100 lors de ce week-end. Très très bon joueur. Et donc on entame notre round. Très rapidement, je commence à avoir une petite montée, une petite bouffée de chaleur parce que je vois que mon joueur Astra est un peu contre la DA. Mais bon, effectivement, la DA, on sait ce que c'est en cette fin de version V9. Et donc, on va sûrement partir sur une égale. Et en fait, je pense que tu confirmeras ou non. Ce qui a fait la bascule sur cette round, c'est le 20-0 que Carbo a mis sur Manwe lors contre les DA. C'est ce qui a clairement fait la bascule sur la ronde, parce qu'il me semble que Manwe se voyait meilleur en termes de scoring contre l'Orc. Et derrière, j'ai mon joueur CK qui enfonce le coup contre l'Orican, et Christophe qui assure avec ses Dark Angels contre le Tyrannide. Et moi qui devais me prendre un 20-0 contre Nico, j'arrive à gratter 5 points qui nous permettent d'en gratter un peu comme ça, et derrière... Derrière, ça déroule avec Benny qui assure une égale contre Fabrice, qui est un gros joueur, qui est un très bon joueur. Il a perdu quelques kilos, je l'ai vu ces derniers temps, il a perdu quelques kilos. C'est pas sympa ce que tu dis. Donc non, c'était une super ronde. On pourra compléter, je pense, l'Orican de votre point de vue. Mais nous, on est des copains, donc c'est toujours sympa de se retrouver, tout en ayant cet aspect un peu compétitif. Entre les deux équipes, et voilà, moi, pour moi, ce qui a clairement fait la bascule, c'est à partir du moment où Carbo a mis son 20 contre l'Eldar, et derrière, ça a débloqué la situation pour l'équipe, et ce qui nous a permis de gagner la ronde. Qui fait les appareillements chez vous, c'est toi? C'est moi, principalement. Ouais. Principalement c'est moi, mais j'aime bien être accompagné de l'équipe en fait, parce que à l'instant T, tu peux avoir un ressenti d'un joueur en fonction des tables restantes, etc. Il peut te dire, écoute, finalement, vas-y, j'y vais, laisse-le moi. Je trouve que c'est intéressant comme ça, les appareillements. C'est pas du tout ma spécialité, les appareillements. Je sais qu'il y a une vraie science des appareillements à haut niveau, mais je pense que à mon niveau, pour faire de bons appareillements, il faut déjà bien connaître ses joueurs. Et ça aide vraiment à dérouler si tu sais ce que sont capables de faire tes joueurs selon la table, selon l'appareillement, ça peut débloquer pas mal de situations. Je prends un exemple très concret hein, pour t'expliquer ça. Je sais ce que je peux demander à Carbo, je sais ce que je peux demander à Iscariot, je sais ce que je peux demander à Benito, et en fonction de ça, moi, ça va me permettre au dernier moment concertation avec eux, d'ajuster mon appareillement et de dire ok, ben, il nous reste la table 2, 3 et 6, tu as l'Eldar en face, comment tu le sens? Écoute, sur la table 6, moi je le sens bien, en plus c'est à moi de choisir la table, et ben allez, on y va, je te fais confiance et déroule. Ouais, tu sens la psychologie, connaître les caractéristiques de ces joueurs, c'est primordial. Ouais. Il y a des joueurs qui ne supportent pas de perdre. Ou de se retrouver dans une situation où ils doivent ramener 2-3 points parce que c'est pas leur tempérament. Tu as des joueurs dont le tempérament, c'est justement de mettre des bâches et qui s'épanouissent là-dedans. Et c'est sûr que si tu commences à inverser la position de tes joueurs par rapport à leur naturel, ça peut provoquer de grosses surprises, c'est évident. Alors après, l'autre point qui peut être intéressant à L3, c'est que effectivement, c'est des joueurs locaux. Tu connais une partie des équipes ou une partie des joueurs dans toutes ces équipes. Et donc, en fonction de l'adversaire, tu peux aussi tenter 2-3 trucs parce que tu connais tes adversaires, justement. Tu sais lesquels sont un peu plus friables, tu sais lesquels sont plutôt des joueurs défensifs, lesquels sont plutôt des joueurs offensifs, ceux qui maîtrisent vraiment bien leur codex ou pas, etc. Donc il y a d'autres éléments à prendre en compte, c'est tout à fait évident. Et je m'insurge totalement, par contre, sur les propos que tu as tenus sur Scaleo, le chasseur de poupounes. Ce n'est pas un gros joueur, c'est un bon joueur. L'Orican, qu'est-ce que tu nous en dis, nous?
Qu'est-ce que tu nous en dis de Ah, cette j'avais oublié le chasseur de Poupoune. Eh oui, c'est son heure de gloire quand même. Alors, cette ronde, on a mal estimé l'orque, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est ce qui a fait qu'on a perdu. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que l'orque, tout le monde disait on lui met 10. Impossible de lui mettre 10. Impossible. Du coup, en fin de compte, on est parti, même avec ça, on partait sur une défaite à un point. C'est-à-dire qu'on était vraiment à la limite de l'égale défaite. Donc, il fallait que certains d'entre nous poussent et d'autres assurent le coup. Fabrice a assuré le coup, 10-10, c'est nickel. Alors ça, Fabrice, je suis Scaléo, je te confirme, Oui. pour pousser, il s'est bien poussé. Ouais. Non, alors après, il était sur un 8-10, si je ne dis pas de conneries, si on sous-estimait. Et on a dit, il aussi. fallait qu'il mette un 10. On s'est Un compris, 10, je hein, crois. 14. Ouais. Oui, vas-y, excuse-moi, Loric. Non, il n'y a pas de souci. Bah, ça fait partie de la guerre psychologique, d'ailleurs. On a escaloué, il a pensé à la base. Ouais, c'est plus, lui, c'est pas de la guerre psychologique qu'il fait, c'est de la guerre NRBC, hein. Bactériologique, Chimique. Chimique et bactériologique, ouais. Les deux en même temps, hein. Il doit même y avoir des radiations quelque part, c'est pas possible. Donc on a ça. Moi sur le RK là-bas, j'étais très très mal, mais il fallait la sortir parce que le RK pouvait faire beaucoup de mal à tout le monde. Donc je me suis mis dessus et je suis au-dessus de mon estimé. Et on va même dire qu'à un certain moment, j'aurais pu assurer le coup. Mais quand on est venu me rapporter que Rémi s'est écrasé face à l'or, qu'il fallait pousser pour essayer de gratter le peu de points qui lui manquait. Donc j'ai tenté quand même de monter au lieu d'assurer le coup. Je pense que j'avais calculé à un moment donné, j'étais à 8-9. J'aurais pu rester 8-9 face à Storm, qui est un très très bon joueur d'ailleurs, que je Ouais. salue. Mais en fin de compte, à force de trop pousser, je me suis écrasé, donc je suis redescendu sur un truc normal. Mon DA, il a fait le taf, 10-10, nickel. Verratti, il s'est mangé un peu les couilles, parce que normalement, il était bien estimé dessus, et au final, il s'est un peu raté. Voilà, mais c'est pas grave. Il a quand même mis des points. Et notre tyrannide, en fait, on ne savait pas trop comment l'appareiller. Au final, il a ramené un peu de points, donc c'était ce qu'il fallait. Il a ramené son estimé, donc c'était bon. On a vraiment, voilà, c'est. Après, très très dur, hein. Leur roster était très très fort. Non, mais clairement, je rejoins tes propos sur l'appareillement. C'est vrai que Astorn est un excellent joueur, le joueur RK. Carbo, il fait de la magie. Hein, tu lui mets n'importe quelle vis dans les mains. Ça, depuis que je joue avec lui, c'est comme ça. Pour moi, c'est un joueur de niveau quasi L1, hein, faut le dire. Effectivement. Et de l'autre côté, il y avait aussi des bonnes surprises. Hein. Chicken notamment avec sa liste tyrannite qui a fait un bon score tout au long du week-end, qui est un très bon Ouais. joueur tyrannite Chicken avec sa liste Gorgon si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà, donc c'était disputé, ça a été disputé quasiment jusqu'au bout. On a dû attendre je crois le résultat des deux dernières games pour voir où on en était exactement. Et je pense qu'après ça a donné le ton pour le reste du week-end. Ouais, je pense. Ouais. Et même derrière, je vais te dire, nous, derrière, en fait, on s'est mis beaucoup plus au cul en disant, voilà, on ne peut plus se permettre de perdre. On a perdu là. Si on veut rester dans le clou, il faut absolument qu'on score. Et je pense que tu l'as vu d'ailleurs, on s'est sorti les doigts du cul et on a mis du scoring sur tout le monde. Bon, on a été un peu vache, mais bon, c'est le jeu. Vous avez fait pareil. On vous Non, mais câline. vous avez poussé derrière, c'est clair. On sent que derrière, vous avez rebondi, quoi. C'est-à-dire que vous avez dit, allez, on repart, déroule. C'est ce que je suis Exactement ça. justement en train de montrer à l'écran. Je regarde la ronde 2, bière et pistache. Vous gagnez 92 contre les noix de cajou. Ouais. Et le CFVE, vous jouez contre la team Manouchi, vous gagnez 88 à 32. Ouais. Pendant ce temps, la team Anvil L3, elle fait match nul sur match nul. Une fois contre la team Manouchi, une fois contre la NWA First Blood. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, bosseur?
Alors, comme je l'ai dit au début, nous, on est un peu arrivés en touriste. Donc, on s'est dit, bon, on va voir ce que ça donne. On n'est pas venu avec, avec autant d'entraînement que les autres. Hein. Les CFVE, je switch sûrement des lettres dans le logo, mais c'est pas grave. Je les avais vus à la Met Cup, je savais qu'après, ils s'étaient entraînés. Les bières et pistaches, on savait aussi qu'ils ne venaient pas juste pour faire de la figuration. Donc, on s'est dit, bon, on commence par la Team Papy. Ça va, c'est cool. On va commencer tranquille. Et puis on a fait malgré tout une égalité qui était plus ou moins prévue en fait. Les estimés ont été plus ou moins respectés de notre côté, mine de rien. C'est-à-dire qu'on a notre joueur qui jouait sa première partie de 40K qui a marqué 0 points. Donc, c'est bon, c'est prévu. Notre capitaine qui a dit si j'arrive à voir le Votan, je le plie. Yori, ça a, à peu près, ça a bien marché. Ouais, 20-0, je vois ça. Atta qui s'est un peu foiré face au démon avec ses nécrons, mais il avait dit qu'il était en négatif quoi qu'il arrive. Moi, j'avais dit que je gagnais les Space Wolves de Papy si je les prenais, et du coup, ça a marché, sachant qu'en vrai, j'aurais dû gagner 16-4, mais c'est parce que Papy a eu une chance digne de lui, donc ça aide beaucoup. Et ensuite, RGS face à Odd, donc Votan face à Ozonson, RGS il est en mode rodage, donc il s'est pas entraîné tant que ça, et plus il a joué son codex, plus mieux il l'a joué, je pense, enfin, plus il savait comment il marchait. Bon, il manquait un peu l'expérience, du coup il fait un 8-12, et Valfira avait dit qu'il gagnait, il gagnerait, et il a gagné. Donc on fait une égalité assez, assez logique en fait, tout le monde a fait plus ou moins son estimé chez nous. Sur ce coup-là. Et pourtant, on les a pas beaucoup plus que ça, mais. Duel fratricide ouais. Aussi entre les noix de cajou sur la ronde 1. Et c'est les First Blood qui battent les noix de cajou assez largement d'ailleurs, hein, 87 à 33. Sur la ronde 2, donc, toujours la Team Anvil, vous faites ce coup-ci un match nul pour 2 points contre la NWA First Blood. Oui, ben, les 2 points, c'est les 2 points de mon malus de liste. Aïe, 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 ils ont été comptés à ce moment-là? Alors, comme je t'ai dit, on s'est raté sur le comptage des malus de liste, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu prends mes résultats, tu rajoutes 2 points, sauf le dernier où le 20-0 reste un 20-0 que je me suis pris. Alors qu'en fait, on aurait dû les compter en fin de total. Et du coup, on a joué contre des équipes qui avaient un malus de moins de 2 et à qui on l'a pas mis parce qu'ils s'étaient pris des 20-0 contre nous. Bref, le seul moment où ça aurait pu changer, je crois que c'est celui-là. Alors, c'est le seul moment où ça a changé un truc. Ça me permet de rebondir sur un point qu'on n'a pas évoqué. Vous n'aviez pas d'arbitre FEC ou de représentant FEC avec vous? Si, il est arrivé après la première ronde, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Tu as raison, Bowser. Tu es médisant, c'est pas vrai. Pour une fois qu'on avait un arbitre. Pour une fois qu'on avait un arbitre. Non, moi je sais pas, je pose la question justement. Et l'arbitre. On n'a jamais eu d'arbitre. Ah, vous n'avez pas eu d'arbitre? Non, non, c'est-à-dire que l'Orican te dit que d'habitude on n'a pas d'arbitre. Mais là, effectivement, on a eu un arbitre. Et, non, il était très sympa. Mais il avait pas mal de routes, donc il est arrivé vers la salle la première ronde. Je crois que. Il a vraiment commencé à arbitrer pour le coup au début de la deuxième ronde. Non, non, mais on avait un arbitre sur le week-end. Après, je t'avoue que sur les malus, j'ai pas suivi l'histoire. Parce qu'on est quelques équipes à cette fin de malus. Je crois qu'il n'y a que l'équipe Noix de Cajou qui n'a pas eu de malus. Qui a des erreurs de liste. Mais je t'avoue, j'ai pas suivi le chemin public. L'arbitre, même s'il était présent. À partir de la ronde 2, il aurait dû justement appliquer les malus au bon moment et revenir en arrière si c'était nécessaire. Bon, c'est pas grave. Ça change pas le résultat du week-end en tout cas. Pas grave, puis ça s'est passé comme ça, mais bon. Déjà, j'avais les boules d'avoir un malus de liste juste parce que les noms des stratagèmes pré-game n'étaient pas les bons alors que ma liste était bonne et que les PC étaient bons. Ça y est, on sent arriver le sel. Ça y est, voilà, ça commence, voilà. Ça arrive. Ça arrive. Ça y est, on arrive en Camargue, c'est parti. ok, bon, écoute, ça va.
Bon, sur le match retour, si vous avez un arbitre, demandez-lui à faire attention à cette histoire de bonus, à quel moment et de malus plutôt, à quel moment ça se compte, parce qu'effectivement, c'est dommage. Bon, là, ça n'influe pas sur le résultat final, ni sur le fait qu'il y ait des descentes, hein, puisque là, oui, il n'y a personne qui peut descendre, mais sur les autres ligues, je peux vous dire qu'en L2 et en L1, ça recompte à chaque fois beaucoup de choses, parce qu'il y a forcément des erreurs, comme toujours. C'est normal. Oui, c'est cette souplesse que tu obtiens pour le L3, et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'attaquer avec le L3 le compétitif en équipe, parce que tu es un peu plus en mode chill de manière générale dans L2, L1. En général, ce type de problématique-là, ça sera amiable entre les deux équipes. Alors, tu le sais, tu en as fait des L2, etc., quand tu étais chez nous, chez les Anvilles. Il n'y a pas de mauvaise ambiance particulière, hein, sur les L2, etc. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de préparation, beaucoup plus d'implication chez les joueurs, etc. Et qu'à la fin, des fois, ça se joue à un point près. Et du coup, les parties se déroulent dans la bonne ambiance aussi. Hein. Mais à la fin, tu comptes vraiment tous les points. Quoi, jusqu'à... Mais c'était pas une mauvaise ambiance, non. Je dirais que L2, L1, tu as un peu plus de tension. Ah oui. Une tension supplémentaire parce que il y a un enjeu et un niveau compétitif qui est plus élevé que ce que tu retrouves en L3. L3, c'est normal, bien sûr. Tout à fait. Alors, je vais montrer la ronde 3. Donc, ronde 3, on a les bières et pistaches qui rencontrent la noix First Blood et qui gagnent largement 90 à 30. La team Manouchi qui perd contre la noix de cajou. Bon, là, on n'a pas de représentant, on ne va pas en parler. Et comme tu disais tout à l'heure, Lorican, le CAVE qui s'énerve contre les pauvres en ville. 92 à 28. Grosse, grosse fessée quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Bowser? Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, on est venu jouer dans CD avec des bonhommes. Il y en a, ils viennent pour essayer de passer en L2. Donc forcément, ça ne marche plus. Donc, attends, je regarde les résultats. Alors, ah oui, moi, c'est le moment où j'ai arrêté d'avoir de la chance. Vu que sur la ronde 2, tu n'en as pas parlé, mais j'ai réussi à tableau raser un custo avec ma liste. C'était pas prévu. C'est fluff? Non, c'est pas fluff. Alors, c'est pas fluff et c'est pas logique, mais ça s'est passé. Et après, ma chance a dit c'est bon, j'ai fait le travail de week-end. Excuse-moi, Bowser, mais tu t'es fait rattraper par le custo à la ronde 4, il me semble. J'ai assisté à la game. Oui, bah d'ailleurs, mon custo ronde 2, il était dépité. Ouais. Il dit pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à faire ça? Bah, parce que toi, t'es 4 plus 1 vues, c'est des 5 plus 1 vues, et lui, c'est 4 plus 1 vues, c'est des 2 plus 1 vues. Donc, du coup, ça, c'est pas pareil. du coup, là, c'était. Donc j'affronte des Dark Angels parce que mon équipe s'est dit « Tiens, tu joues en Pro Children, donc ce serait bien que tu affrontes que du Dark Angel et du Custo. » Donc je me suis pris deux Dark Angels de Custo, normal. Très content. Je leur avais dit que ce n'était pas terrible. Hein. Je dis « Le premier Custo, j'ai gagné, mais ce n'était pas prévu. Ça ne va pas marcher deux fois, bon, finalement. » On t'a pas écouté. Ah. Voilà, mais ce n'est pas grave. J'ai l'habitude qu'on ne m'écoute pas. J'aime bien faire mon Calimero, en plus ça me permet de me plaindre. Donc ben, là, je fais 4-16 face à du Dark Angel. Ben, le Dark Angel, j'ai du mal. Hein. C'est un peu le codex d'enfant de la fin de version. Il a une chier de Terminator, il les avance et il te dit bah, vas-y, essaye de me tuer, moi je vais marquer mes points. Et tu essayes et quand tu n'y arrives pas, il marque ses points. Voilà. Notre super remplaçant reprend 20-0. Mais il gagne une partie à un moment. Ouais, mais là, en plus, c'est son premier tournoi. Vous le mettez face à Verratti, qui est sûrement. Ah oui, non, mais en fait, on l'a sacrifié. L'un des meilleurs joueurs qui sont sur ce L3. Et là, ouais, il y avait peu de doutes sur le résultat final. En but, c'était d'être sacrifié. Il a dit les gars, je viens, vous me balancez où vous voulez, vu que de toute façon, je ne sais pas jouer à votre jeu. Si vous voulez prendre 20-0, mettez-moi là où vous voulez. On a fait ça un peu quand même. on a fait le plan. Ah, c'est logique. Hein. Nous, voilà. La première année où Kurz est allé faire un L2 avec les Andeville, je sais que ceux qui faisaient les appareillements ont fait pareil. Ils ont dit bon, bah, le mec il sait pas jouer, on va l'envoyer directement sur tous les codex pour faire la chèvre. Hein. C'est ça, exactement. Ouais.
mais c'est parce que bizarrement, avant de rentrer dans Anvil, on jouait bien. Et puis, depuis, on est arrivé chez Anvil et ça marchait plus. Ouais, non, mais ça, c'est le contexte. C'est le contexte. C'est parce que quand on arrive dans l'excellence, c'est difficile de s'adapter. On se tirait pas mal la bourre avant qu'Anvil existait, il me semble, entre la team Tamoraz et la sienne. Sur la L2, on vous a mis une belle petite fessée, il me semble, pourtant. Ben en fait... Non. Non, ça a commencé à l'hier, on faisait une petite fessée. Non, l'hier, on a jamais fait, nous, l'hier. Ouais, bien sûr. Je me souviens de ces qualifs PACA à 10 équipes, à l'époque où l'hier cartonnait. Et vous nous avez rendu l'appareil, effectivement, au... deux, puisqu'on avait terminé deuxième, mais on avait quand même eu un ticket, et après on a fusionné les équipes pour faire en... C'est ça. C'est là où tu étais allé à Saint-Jean-de-la-Tour, tout à fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on va laisser Bosseur finir, quand même. Ouais, bien sûr. Allez, je finis rapido, donc après on a... Donc RGC Cévotan face à la Sororita, qui a joué dans son coin et qui a scoré tout seul, a priori. Et bah, je crois qu'après il s'est reproché de ne pas avoir été assez agressif, donc il fait un 7-13. Les GK contre l'Orican, je laisserai l'Orican en parler parce que lui il a vécu la game donc il sait mieux que moi. C'est les fils de l'empereur les uns contre les autres. Aïe aïe aïe. Et je sais pas ce qui s'est passé entre le duel de Tyrannide entre notre capitaine avec son gène culte et le Tyrannide. Match nul. Je sais pas pourquoi il fait que 10-10. D'habitude il s'en est mieux sorti globalement sur le tournoi que là. Et Attaque a dit qu'il allait se faire défoncer par les Inari, et ça a bien marché, et il s'est fait défoncer par les Inari, avec ses Nécrons. Pour revenir sur la game Tyrannide Cult Gen, en fait, là, mon joueur Tyrannide m'a dit que tout est une histoire de placement de ton Cult Gen Stealer, parce que lui, il peut faire pas trop avec ses Molochs, il est super OP, enfin, il est un peu casse-couille. Et en fait, c'est toute une histoire de placement, et en fait, il lui vole les objectifs, les primaires, et il marque ses secondaires tranquillement, sans forcer, et... Le coup de gen, si tu veux, ça c'est vraiment joué à je te vole, tu me voles. Ok. Dans l'idée. Voilà. Et pour revenir sur la game GK contre moi, alors je suis désolé, petit message à Valfira, je suis désolé, je me suis gouré dans mes stratagèmes. Encore une fois, pardon. Mais ça a changé pas drastiquement la game. Mais en gros, j'ai tanké comme un cochon, j'ai foncé dans les GK. Et ben, Sista qui empêche les sorts, tanké, puis quand il a commencé à vouloir un peu rentrer dans l'arbre, ben, il a rebondi, et puis ça s'est fini comme ça, quoi. Et table rasée à la fin. Voilà. Mais bon, il a quand même scoré. Donc, les messieurs tout dorés ont gagné, les messieurs tout en argent, on respecte le classement des métaux précieux. Tout va bien. Mais mention spéciale pour Valfira, que je salue également. Super joueur. Valfira dans la team Anvil. Ouais. Je confirme. Et c'est lui qui peut monter apparemment. Heureusement qu'il était là. Ouais, parce qu'il a une capacité d'analyse. Il a du potentiel. Ah, il est bon. Ça va. Je note. Je note dans un coin de mon esprit, c'est pas la première fois qu'on me le dit, donc on s'est vu une fois, mais on n'a pas joué ensemble, le prochain training, je le mettrai face à Alpha ou Attila, etc., pour qu'on voie un petit peu ce qu'il y a dans le slip, le garçon, quand même. Bon, t'embête pas, il va passer chez les bières et pistaches, aussi. Que tu crois. Ok, ben là on a parlé, hop, je reviens sur MHQ, on a parlé de la ronde 3, ronde 4, alors les Anvil, vous battez la noix de cajou, la team Manouchi se fait éclater par les bières et pistaches, ça c'est pas sympa de pas respecter les anciens, et la team CFVE gagne très largement aussi la noix First Blood. Donc on reste sur la dynamique que vous avez évoquée, à savoir que
La CFVE essaie de compenser un peu sa défaite initiale et vous consolidez votre première place. Et ensuite, Ouais, sur la on va. cinquième ronde, Bière et Pistache, vous battez très 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 largement les Anvil, mais vraiment très largement quand même, hein. On va en parler de cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est simple, c'était les Anvil originels contre les Anvil dernière génération. Donc grosse grosse fessée là. Ouais, la cinquième ronde est pas facile, donc c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut craquer assez facilement. La team CFVE fait également la victoire dont elle avait besoin pour rester dans la course. Et donc on finit le week-end avec le classement qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir Bière et Pistache 10 points, CAVE 8 points, et ensuite les teams présentes ici, ben, il ne reste plus que la team Hondeville, 4 points. On peut dire que le match retour, ça va surtout servir à connaître l'équipe qui va finir première de la Ligue 3 PACA et qui va aller tenter sa chance sur le playoff. Est-ce que vous avez justement des infos sur le playoff? Comment ça se passe, etc. Je crois qu'on avait une date. Mis à part te dire que ça doit être logiquement le 24 juin à Grenoble, pas plus d'infos, mais en tout cas, j'ai pas plus d'infos personnellement, donc ça va être assez sport si on arrive à se qualifier à la fin. Curse, je te laisse. Je te laisse continuer dans Allez, l'habitude. Je reviens ça marche. 2-3 minutes. Pas de problème. Donc, je sais pas si toi, Lorican, tu as plus d'infos sur comment se passe donc comment doit se passer les Alors, playoffs. la seule info que j'ai, c'est qu'on va vous mettre une branlée au match au retour et qu'on va monter au play-off. Voilà. Oui, mais là, tu es en train de rêver et puis tu vas te réveiller par la suite. C'est possible, c'est possible. Sachant qu'en plus, je ne joue pas au retour, donc je suis un peu dégoûté. Ah, là, du coup, ton équipe a des chances. Ouais. En fait, si tu veux, il va nous manquer au retour, il va nous manquer deux joueurs. Je vous l'ai fait, c'est cadeau. Et en fait, on met les remplaçants en avant. Et le problème des remplaçants, Ouais. c'est que il y en a qui sont vraiment débutants, un peu comme le gars de c'est Léandil, c'est ça? Bowser, vous avez un mec qui était zéro parti, c'est ça? Pas Ouais, compris. oui, c'est leur joueur tyrannite, je crois qu'il t'a pas entendu. Ouais. Mais oui, c'était leur Ouais. joueur tyrannite, joueur très sympa, mais oui, effectivement, c'était ses premières parties. Donc voilà. Mais par contre, voilà, on va quand même essayer de se battre jusqu'au bout parce que c'est vrai qu'on est juste derrière et ça fait chier de vous laisser monter comme ça. Tu vois, mais en termes de. À part les dates, il y a aucune. On a aucune. J'ai aucun retour pour l'instant. De toute façon, dès qu'on en a, on en discutera, hein, on échangera entre nous. Bien sûr. Après, si je peux revenir juste sur le fait que nous, on a fait un pari parce que le pari du Tyranide. Il n'était pas évident, et on l'a quand même fait. Et je voudrais saluer mon petit chicken. Alors là, mon gars, il m'a fait de la magie pendant le week-end. Ouais, non, mais je veux juste revenir sur la partie de Chicken contre le culte de Gigi. C'était contre le culte de GD Prime. Là, tu vois, on parle souvent des codex un peu cheat, etc. Des codex, le culte actuellement a un taux de win rate qui est le plus élevé, je crois 58 ou 59%. Mais là, tu vois, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, dans 40K, c'est que Tikal, lui, il a l'expérience du Titi. Il maîtrise sa liste, il connaît codex sur le bout des doigts et il arrive à faire des trucs et il a fait un super week-end, quoi. Bah, surtout qu'en plus de ça, il se fait des paris à lui envers lui-même. Bon, des fois, ça marche pas. Mais là, pour le coup, ça a bien fonctionné. Il s'est dit, vraiment, le vol d'objectif, ça pourrait le faire en Tyranide. Surtout avec son bless, tout ce qui touche à 4+, bless auto, je sais pas quoi, là, en Ouais, Gorgon. c'est le bless Et... de la ruche Gorgon. Parce que, en fait, il était parti dans une idée, enfin, on était parti dans une idée un peu méta où on aurait beaucoup d'infanterie élitiste. Ouais. Et très peu de véhicules. Bon, pour le coup, c'est vrai que ça s'est plutôt vu comme ça. Il n'y a que le CK et l'Astra qui étaient vraiment qui étaient à l'opposé de ça. Mais dans l'idée, son pari était plutôt réussi pour lui. Et non, franchement,
Après, voilà, c'est un super joueur. On a des super joueurs au CFE, c'est ça qui est génial. Fabrice, il est génial. Il te met 10 quoi qu'il arrive avec ses 6 stats. D'ailleurs, le Votan, il a pété les plombs. Et je crois que même Fabrice, il s'en excuse, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il jouait dans son coin, il a touché littéralement de toute la partie, il m'a dit alors, deux ou trois figurines. Voilà. Alors tu parles de la partie quand vous avez joué contre la team Anvil, ouais. C'était RGS contre Scaléo. Ouais, ouais. Et oui, effectivement, là encore une fois, l'expérience a primé sur la nouveauté du codex, puisque Scaléo connaît très bien le codex Sista, et c'est le jouer sur le bout des doigts. C'est exactement ça. Donc, non, c'est. Après, vous de votre côté, nous, ce qui est. On sait que vous avez des très bons joueurs, là. J'ai encore croisé Astorn il n'y a pas longtemps, là, au FWD. Lui, on sait que c'est l'homme à abattre de votre team, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui l'a battu. On a Carbo, est-ce que lui, ça y est, on lui a mis le Wanted sur la tête? Non, c'est... ça commence à venir, tu vois, genre. Le livre des rancunes là, des nains, bah, ils sont en train de se remplir au CVE. Alors, c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est dommage que Raph soit pas avec nous des NWA parce que j'ai fait la partie contre lui. Donc, pour revenir sur la troisième round, on joue contre les noix First Blood on savait qu'il fallait mettre de côté le RK. Donc, tu parlais justement du rôle de chacun, Manolo, dans une équipe. Et moi, ça ne me dérange absolument pas de partir sur un sacrifice, sur un match-up assez difficile et d'aller gratter un maximum de points. C'est des games qui me bottent. J'adore me challenger sur ça. Et donc, l'objectif, effectivement, c'était d'écarter leur RK qui était bon sur la liste. Bon, le RK est bon de manière générale. Et donc, je joue contre Rara. Ouais. Et on gagne contre le NWA First Blood. Et il fait la réflexion, il me dit, mais en fait, vous avez battu toutes les équipes NWA, puisque à Roquebrune, quand on était venu chez vous, l'Orican, on avait aussi battu leur équipe L2, avec l'équipe avec laquelle on a joué en L3. Et donc, Raph m'a proposé gentiment de faire une bannière, tu sais, avec une bannière déchirée de NWA et de mettre toutes les noms d'équipe. Ah, c'est cool, ça. Voilà. Ça, c'est ça aussi l'esprit de la L3. L'esprit de l'IR pour les plus anciens. Ouais. Mon Dieu. Oh purée. IR Spirit. C'est ça. Bon, c'est cool. Donc, vos prochaines échéances, donc forcément la Ligue 3 retour. Ouais. Pour la team qui va se qualifier le playoff pour la montée en L2. Donc, vous avez parlé de la date. Alors après, j'ai pas tout entendu, mais vous allez rencontrer, j'imagine, les premiers de différentes L3 en termes géographiques, on va dire. Et là, vous savez pas si c'est le premier ou le deuxième qui monte après sur la L2. Vous... Non, malheureusement, tu vois, c'est dommage qu'on ait pas quelqu'un à FEC avec nous ce soir parce que là, pour le coup, tu vois, j'aurais bien posé la question. Est-ce que c'est le premier du playoff qui se qualifie pour le L3 ou est-ce que ce sont les deux qui se qualifient, les deux premiers? Il n'y avait pas une histoire de deux premiers, justement, les deux premiers montent, les deux deuxièmes descendent, je ne sais pas quoi. Sur les L2, ce qu'il se passe, c'est que le premier de chaque L2 va faire le playoff pour tenter de monter en L1 et les deux derniers, 5e et 6e donc, de chaque L2, descendent automatiquement en L3. Donc forcément, ils sont remplacés par deux équipes à minima. Il y a forcément une L2 qui va monter en L1. Donc dans cette L2-là, en fait, ce sont... Maintenant, j'allais te dire trois équipes, mais non. Il y a forcément la team qui descend de L1 qui vient compléter le tableau des teams manquantes en L2. Mais voilà des teams qui montent de L3. Il y en aura en tout 8. Il y a 8 teams L3 qui montent en L2. Forcément. Il y a 4 L2. Alors, forcément, non. Si l'année prochaine, le système de la Ligue change encore, puisque cette année, il y a 4 L2, mais l'année dernière, il n'y en avait que 2. Hein. Donc cette année, il y a 4 L2. Le principe sur cette année est celui-ci. Peut-être que l'année prochaine, la FEC va encore changer son mode de fonctionnement pour s'adapter
au Quack qu'il y a pu y avoir cette année pour s'adapter au nombre des teams qui va sûrement encore augmenter, nombre de teams L3, etc. Je crois qu'en réflexion, ils ont aussi le fait de faire une L2 en région parisienne uniquement, puisque et ça paraît un petit peu logique, il y a beaucoup des teams qui sont en région parisienne, donc ça a également du sens d'envisager une ou deux L2 sur Paris. Et voilà, Ah non. c'est tout ce que je sais, c'est les rumeurs qu'on peut entendre. Ouais, ça augmenterait le nombre de L2, du coup, potentiellement le nombre d'équipes qui pourraient monter en L2, etc. Je ne sais pas comment ils ont décidé de discuter là-dessus. Je sais qu'ils étaient très pris par le French War Game Day, ce qui paraît logique. Et ils sont censés désormais se pencher un peu plus sur la ligue et la saison prochaine. On va voir s'ils arrivent à communiquer ou pas. Ça serait la surprise du chef. Ouais. Super. Bah, après, le concept, il est intéressant. Enfin, ça fait déjà quelques années qu'on le pratique, Manolo, mais je veux dire, ce concept de ligue, là, je trouve que pour cette année, c'est plutôt pas mal. L3, L2, L1, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et moi, ce que j'ai remarqué, puisque j'avais justement entendu en parler du niveau qui a augmenté en L2, je trouve que même pour un niveau L3, le niveau a augmenté et même la construction des listes, et on sent un peu l'impact de ces chaînes YouTube, etc., de tout ce que tu peux retrouver sur Internet aujourd'hui au niveau international aussi. Parce que quand tu fais un récap un peu des listes que tu retrouves dans notre ligue, bah, les listes, elles sont compétitives, hein. Ah Tu n'as pas beaucoup de listes fluff, etc. Non, tu as vraiment des listes compétitives, des listes qui se calquent sur ce qu'on retrouve à un haut niveau compétitif. Et ce qui manque, je pense, c'est simplement le niveau d'expérience, c'est tout. Mais tu te retrouves face à des listes où clairement. quand toi, tu prends ton tableau d'appariement, bah, si tu ne connais pas les joueurs en face, tu peux te dire, bah là, je vais plutôt te mettre en rouge, là, ça risque d'être tendu, etc. Oh, mais quand tu joues contre Aude, tu sais qu'il va faire des as, donc Oui, tu sais, mais quand Ouais. tu regardes la liste, tu rigoles pas, quoi. Quand tu vois la liste, tu dis waouh, ouais, Non, ça change, hein, ça change. Il commence à avoir pas mal de chances. Moi, j'ai mis quelques jeux c'est de dés de uniquement une la Aude. taquinerie, vous le savez bien. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi pour notre hobby parce que le niveau augmente. On a de plus en plus de courses d'informations différentes. On a une diversité de listes aussi. C'est ce que j'aime dans Symphone V9. Hein. Même si on dit que le DA est un codex d'enfants, etc. Mais malgré tout, et quand tu regardes alors les tops au niveau international, ça varie très régulièrement en termes de codex. Donc je trouve Alors, que cette fin de V9 est plutôt réussie. on va voir ce que va donner la V10, mais la V9, c'est quand même une version qui donne la prime à tous ceux qui passent énormément de temps dans le jeu. Oui, C'est une bien sûr. version très mathématique, il faut beaucoup bachoter. Et bon, on va voir ce que va donner la V10, si ça permet un peu plus de latitude sur le talent pur. Mais. Ouais, le niveau s'est resserré parce qu'il y a eu TTS évidemment qui a permis Aussi, hein. de faciliter le training et le mélange des méta. Mais effectivement, j'ai l'impression que les mecs ont beaucoup plus travaillé qu'à une certaine époque. Ouais. C'est rentré dans les mœurs qu'il faut bosser pour arriver à faire du résultat. À voir si la V10 continue en ce sens. Mal. Des premières infos que l'on a, moi je regarde de super vidéos de synthèse des dernières règles en temps réel sur Dagazone. Et non, enfin, les premiers retours que l'on a, on va vers une simplification des règles. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est sur la datasheet qu'on a eu de leur Magon notamment, c'est le fait d'avoir des réactions d'unités autour du joueur adverse. Je trouve que ça c'est super intéressant. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être d'aller un peu trop loin dans la simplification. Avoir un, Non, mais là, absolument on a rien très peu autour de des règles. matière. Là, on a très peu de Pour matière. l'instant, Vas-y, tu Luc, peux pas vas-y. vraiment juger pour l'instant. Non. Quand tu regardes, c'est simple, c'est simplifié, mais pas simple en fait. Hein, parce que tu imagines le nombre de réactions. Si tu as chaque unité qui a potentiellement une réaction, moi, je pense que
On se dit que ça va être simplifié, mais ça risque d'être assez balèze. Tu En peux fait, me bloquer les points de co, mais moi j'ai ça va l'impression être que pire. Games veut surtout que la prise en main du jeu soit plus simple. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es un nouveau joueur, tu arrives, on te dit Warhammer 40K, il te faut ça pour jouer. Tu commences à regarder les règles, oh, les règles du bouquin, ça va, et puis après tu ouvres un codex et tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, effectivement, je pense que vraiment l'état d'esprit de Games, c'est vraiment ça, que la prise en main du jeu soit beaucoup plus simple. Est-ce qu'après le jeu va manquer de profondeur? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que on a connu des versions très fournies, très dures comme la V2 à une époque. Et on est passé de la V2 à une V3 qui était très simplifiée. Et pourtant, en V3, on s'est beaucoup amusé parce que ça avait d'autres avantages. On connaissait tous les codex du jeu, tous les effets du jeu, etc. Donc, il n'y avait pas de gotcha, de choses comme ça. Quand tu jouais contre quelqu'un, tu savais ce qu'il était capable de faire, tu savais ce que tu étais capable de faire. Et donc, ça se jouait sur les choix, sur les placements, etc. Donc, le jeu était un petit peu différent. Il n'y avait pas autant de saturation, c'était pas aussi létal pour connement, quoi, on va dire. Donc, le jeu, je trouve qu'il était plus tactique, finalement, avant. Alors que maintenant, on est venu vraiment sur un jeu où. Ouais, tu apprends beaucoup, tu connais vraiment un maximum de tricks, etc. Tu fais tu enfiles des parties. Au moindre déploiement, tu sais que là, tu peux te placer là, ça va te permettre de faire ça, etc. Enfin, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier sur la libre antenne, mais quand tu parles avec Lucas, qui t'explique ses parties OLVO contre les ténors américains. C'est un peu mécanique, c'est un peu robotique et je trouve ça un petit peu dommage quand même. Oui, je suis d'accord avec toi qu'effectivement la superposition de règles de Saturn V9 est impinable. Ça, pas de débat là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la customisation des unités. Quand je vois le Codex World Eater, moi, ce qui m'a choqué dans le Codex World Eater, c'est que tu n'as pas de strata qui te permet de multiplier les traits de seigneur de guerre et les reliques. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, ça fait un peu le cœur actuellement sur cette V9 de la customisation de tes persos, etc., qui te permet justement de faire des combos intéressants. Alors peut-être que ça va être adapté autrement dans la V10. Mais voilà, bon, c'est vrai que le Codex World Eater, pour le coup, il est très bon. Hein mais je regarde mes listes, que ce soit L2, L1, etc. C'est des monolistes, quoi. Ou, presque. Hein. Ah, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Ça se ressemble. Il y a Après, le aucun. troisième thème. Ouais. Vas-y, Non, Bogor, je on dis t'attend. que. Il y a trois entrées valables, donc forcément que toutes les listes se ressemblent. La moitié du codex, c'est des vieilles entrées qui servent à rien, et après, t'as les espèces de possédés et les persos. Ouais, effectivement, mais par exemple, ouais, ça laisse pas la place au Terminator. Oui, après, je comprends bien, il faut mettre en avant les nouvelles unités, etc. Mais voilà, c'est vrai que ce codex m'a fait un peu peur dans la direction que prenait Games. Maintenant, Alors c'est un comme jeune Bob à codex l'eau. aussi, hein. C'est un jeune codex avec très peu d'entrées de manière générale. Donc à voir avec les vieux codex genre Space Marine Guard, Eldar, etc. Où il y a beaucoup plus d'unités, beaucoup plus de matière. À voir comment le passage vers la V10 va être fait. Moi ce que j'aimais bien dans le codex Eldar là, c'est que ils avaient fait un très bon travail sur le fait que la majorité des unités étaient jouables. Alors que tu as des codex où tu as des unités, tu peux rien en faire, quoi. C'est mauvais, complètement mauvais et surtout absolument mauvais. Donc j'espère qu'ils vont arriver à trouver cet équilibrage au sein des codex qui va permettre que justement la diversité se fasse un petit peu sur les unités choisies. Moi, ce qui me réconforte, on va dire, c'est que Games actuellement est très réactif sur ce qui se passe sur son jeu, en tout cas 40K, les autres jeux je connais moins,
Et ils ont tendance à réajuster les points, à sortir des data balance pour rectifier un peu deux, trois choses, etc. Donc là, ils sortent le jeu d'un coup. Les codecs ensuite vont sortir petit à petit. Si avec le jeu des chapters approuvent des data balance, ils arrivent à maintenir l'équilibre au sein des codecs et entre codecs, bon, ça peut être une version très, très, très sympathique, hein, parce que la richesse du jeu à 40K, elle vient aussi du nombre de factions différentes. Donc, ouais, oui, de toute façon, Manu, oui. Y a un truc, c'est que ça commence toujours, quand tu regardes toutes les versions, ça commence toujours bien. C'est-à-dire que tu as toujours un équilibrage qui est fait par rapport aux cinq premières factions qui sortent, qui est très très bien, tout va bien. Et puis après, ils sortent une faction. Regarde, là, le mec en V9, quand il est sorti, boum, ça a défoncé tout le monde. Donc là, ils sont obligés de taper dedans, machin, de rehausser les certains, de diminuer celui qui vient de sortir. Ça, c'est un autre problème. Ça. À un moment donné, ça. Voilà, mais en fait, c'est les premières factions, tant que ça va sortir, ça va être, je pense, hein, comme d'habitude, ça va être stable. Il y aura toujours des trucs un peu plus forts que d'autres, mais ça va être, on va dire, constant, jusqu'à ce qu'il y ait une faction qui sorte, que ce soit bah, comme la V9. Il y a eu le Drukhari et tout ça qui était assez costaud. Donc je pense qu'au début, on va pouvoir s'amuser correctement, ça va être très équilibré, mais après, ça va. Ils vont devoir, ça va être un coup de chapter approuvé et data slide, je suppose, comme d'hab. Ouais, mais c'est pas plus mal, hein, parce qu'avant, on restait sur toute une version où si ton codex était mauvais, bah, il était mauvais toute la version, quoi. Donc là, au moins, ouais. Ça permet de rattraper un peu les abus dans un sens ou dans l'autre. Oui, tu n'avais pas un suivi aussi constant sur les versions précédentes. Si, en V3, V4. En V3, V4, il y avait déjà les chapters approved. Alors, sur tu dis V3, V4, Manu, mais je suis... Ouais. Je suis désolé, je jouais pas V3, V4, je sais même pas si j'étais né. Moi, je te dis, V3, V4, il y avait déjà des chapters approved, justement. C'est après que c'est parti en couille. Moi, je trouve que c'est la V5, la V6, la V7, la V8. C'est quatre versions catastrophiques pour moi. Ouais. Je préfère encore la V9 aux autres. Mais pour moi, la V3, la V4, c'était le top. Hein. Ouais, c'était le top. Mais c'est vrai que moi, je me suis repris la V8 et je trouve que la V9, là, en tout cas, cette fin de V9, elle est vraiment intéressante. Elle est pas mal. Je trouve que... Ah ouais. Le problème de la fin de V9, c'est que justement, c'est la fin d'une version. Et qu'il y a une nouvelle version qui arrive, et forcément, la hype fait que t'attends plus la V10, là, aujourd'hui, finalement. Alors, vous, c'est un petit peu différent, parce que vous êtes encore dans le circuit de la Ligue, etc. Donc, vous pouvez pas trop... voilà. Mais pour tous les joueurs qui ont fini la Ligue, les tournois, etc., c'est vrai que tu as plus tendance à te dire vivement que la V10 arrive, qu'on se mette à la V10, parce que la V9, elle est finie, quoi. Ouais, bien sûr, bah, c'est vrai que nous on est obligé de rester dans la V9 encore. D'ailleurs, on attend la data slate, elle devrait pas tarder, non? Si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ce qu'ils ont annoncé. Moi, ça va arriver, ouais. C'est ce qu'ils ont annoncé. Bon, ben on attendra et puis on affinera nos listes. Tout à fait. Bon, les enfants, on a passé un bon moment ensemble. Bah ouais. Bah ouais. Il est 22h30, donc c'est très bien. On a passé 1h30 de live, mais c'est normal parce que il y avait beaucoup moins d'équipes présentes. Donc c'est normal. C'est qui? C'est Ben Ballot qui arrive encore à la fin. Ah bah tiens, tu arrives justement à point nommé, Ben Ballot. Ah, Ben Ballot, voilà. C'est un arbitre fake. Tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment ça se passe la L3, parce que justement, les participants là ne savaient pas comment ça se passait sur le playoff. Alors, le premier de chaque L3, bah, tu sais, Ben, si tu peux, viens nous rejoindre en direct. Et si tu peux pas, bah, tu réponds sur le chat. Mais en gros, ils veulent savoir comment ça se passe en fait. Ensuite, une fois que la L3 est terminée. Comment ça se passe? 2 secondes, je pense qu'il va se connecter avec nous. C'est cool. Ouais. Bon, on aura une réponse. Dis-nous où on va et qu'est-ce qu'on fait. Nous, on sait où on va s'amuser un week-end et puis on va rentrer chez nous. Non, mais pour en attendant peut-être d'un ballot, moi, je pense que ça va, le retour va être quand même disputé parce que il y avait des bons éléments et je pense que le milieu de tableau va être disputé. Vraiment. Alors nous, on a pour but d'arriver troisième. Bah voilà. Bonsoir. Hello. Bonsoir.
Comment il va bien? Salut. Eh bien écoutez, ça va, ça va. Bon, je suis désolé, j'aurais pas beaucoup d'éléments à vous apporter là tout de suite. On est trop Pourquoi? Parce déçus. que Ah bah, donc les playoffs de manière générale, de toute façon, ça va dépendre en fonction, vous allez avoir un arbitre qui va être assigné un petit peu comme à la manière de l'organisation des ligues. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire la gestion dans le MHQ, etc. Sur le où, ça va dépendre des ligues. Ça, pour le coup, moi personnellement, je ne le sais pas là maintenant tout de suite. Je peux essayer de regarder rapidos, mais ben, là en Non, live, mais je ça, vais pas. là, ils le savent. Ils savent déjà que ça sera à Grenoble. Oui, très bien. Donc ça va être au Grenoble War Club, là, c'est ça? Avec Apparemment. l'Orc. Ouais, ok. Ouais, Wargame Skirit, ce club, apparemment, c'est un pool où il y a pas mal de. Enfin, c'est une asso qui a beaucoup de décors, etc. Donc c'est pas mal. Et bah après, au playoff, vous avez des questions particulières sur le déroulé du playoff en soi ou des questions. Alors, ils savent pas combien de teams vont être présentes. Ça dépend des L3, D'accord, et en fait. combien de teams vont monter en L2, en fait, à l'issue de chaque playoff? Deux, dans chaque L2. En fait, dans chaque région, tu auras deux, puisque maintenant la L2, depuis cette année, est départagée en quatre régions. Sauf s'il y a un énorme chamboulement, mais a priori, ça serait quand même assez peu probable. Ça serait deux teams, donc les deux dernières descendent en fait. Hein. Contrairement à la L1 où le cinquième va pouvoir défendre au play-off sa place, les L2, les deux derniers de chaque région descendent. Donc on les a maintenant, hein, puisque toutes les L2 sont terminées. Yes. Et donc il y a deux places vacantes pour les teams de L3 de chaque région. Donc les L3 de sud-ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest vont se tirer la bourre pour gagner leur place. D'accord. D'accord. Il y a forcément deux L3 qui vont arriver en L2. Ça, il y a. Voilà. Ouais, Ok. 8 Et équipes pour qui le montent. play-off du L3 sud-est, j'imagine. Donc, il me semble qu'il y a quatre équipes. Le play-off est prévu sur une journée. Donc, ce seront les deux premières qui monteront en L2. Pas forcément. Tu peux avoir deux, tu peux pas avoir deux playoffs sud-est par exemple, et c'est que le premier de chaque playoff qui monte. C'est possible. Il faut. En fait, ça va être ça. C'est malheureusement, ça dépend de l'équipe. Je peux pas te répondre là tout de suite parce que j'ai pas le fichier, je sais plus où est-ce qu'il est, etc. Mais ça va dépendre du nombre d'équipes. C'est-à-dire que si effectivement tu as un pool et je crois que de mémoire le Sud-Est, vous avez pas mal d'équipes, Et ouais, c'est pour ça. que en fait ça tire pas dans une seule pool le nombre de trois que vous avez. Donc il est possible que ça soit effectivement le premier de ces deux événements séparés qui monte. Je n'ai pas envie de te dire de bêtises. J'ai pas l'information là tout de suite. Je pourrais essayer Pas de de la souci. regarder après coup. Après le live là, mais comme tu vois, j'étais en train de. J'ai les mains pleines pour d'autres choses là. Ah, t'aurais jamais dû venir alors. Et voilà. Non, non, mais. Je vais essayer Non, de mais regarder très très. honnêtement, vu que Sud-Est et la région Lyon-Grenoble, c'est quand même des deux pôles où il y a quand même pas mal de joueurs, voire c'est même les deux régions les plus fournies en team, hormis Paris évidemment, ça m'étonnerait pas que tu aies au moins deux. Si tu es sûr de toi en disant que vous serez quatre équipes sur votre playoff, moi ça m'étonnerait pas que tu aies deux playoffs. Hein. Alors, il me semble avoir vu cela sur le Discord de l'Infect. Maintenant, je crois que j'ai été éjecté du Playoff Sud-Est. Ça, c'est parce que je te fréquente trop, Manon. Tu es catalogué. Mais il me semble avoir vu ça, quatre équipes à Grenoble et le Playoff sur une journée. Alors, peut-être que je me suis trompé, mais. Donc attends, Playoff Sud-Est, moi j'en vois qu'un seul le 24 juin. A Voilà. priori. Voilà, qu'un seul le Ah 24 juin à Grenoble. J'ai pas plus d'infos pour l'instant, c'est-à-dire que je n'ai pas Voilà, encore d'accord. d'arbitre référent ni rien, c'est normal. Grosso modo, puisque c'est à déterminer, donc j'imagine qu'il n'y avait pas encore les salles des playoffs. En fait, c'était. Et c'est d'ailleurs, bon bref, le problème qu'il y a pour tous les playoffs, hein, c'est que comme c'est la première année où il y en a, parce que l'année dernière ils avaient été annulés, il n'y avait pas pu avoir de planification en amont au début de l'année des salles. Et donc on a justement aujourd'hui ce souci-là d'organisation. Donc moi ce que je peux confirmer de ce que je vois, c'est qu'il y a bien un seul play-off pour les montées de L3 à L2 par région. Et D'accord. donc de logiquement, les deux premiers iront en L2. Et alors, D'accord. est-ce que sur ton fichier, tu as le nom des L3 du Sud-Est qui vont participer justement à ce playoff? Donc, là, tu es sur la L3 PACA,
Mais j'imagine que tu as des L3, je sais pas, moi, Occitanie ou Non, non, je ne les ai pas, mais il suffit de regarder sur MHQ. Hein. Sur MHQ, avec toi, tu as tous les tournements de team avec les ARA et PAKA, en fait, parce que ça va être ça D'accord. finalement. Les L3, ARA, PAKA, faut regarder les premiers de chaque truc et tu vas les avoir. Là, pour le coup, moi j'en ai géré une qui était celle de Lyon, qui doit du coup être dedans. Et voilà, mais ça m'étonne qu'il n'y en ait que 4, ceci dit. Mais après, peut-être que je me gourre, j'ai pas une vue. La région sud-est, pour moi, il y en avait plus que 4. Mais. Bon, écoute, que ce soit la team de Kurz ou la team de l'Orican, il faut finir premier du playoff aussi. Moi, comme ça, tu poses pas de questions. C'est tranquille, ouais, effectivement. On va essayer. J'en profite que tu es avec nous. J'avais une autre question concernant les points de malus. On a parlé tout à l'heure, Manolo. Comment ça s'applique lorsqu'on a des malus sur les listes? Ça s'applique à quel moment en cas d'égalité? Alors non, il y a deux types de malus. Tu vas avoir les types de malus dits malus de liste illégale. Les malus de liste illégale, ça va être rapporté sur le goal average. Attention, le goal average, c'est un faux ami dans le sens où ce n'est pas celui qui est marqué comme goal average sur MHQ. C'est donc les scores de points de ronde, donc les scores sur. Donc vous êtes à 6, donc c'est sur 120. 120. 120. Ouais. C'est sur 120, vous allez prendre 2 points par ronde par liste avec malus. Donc un total de moins 10 points. Mais ce D'accord. malus-là ne pourra jamais vous faire changer un score, une victoire en défaite, ou une victoire en égal. Voilà, donc c'est appliqué, D'accord. mais après application du résultat de la ronde. D'accord? Donc en fait, D'accord. ça n'a d'impact que si vous êtes effectivement au même nombre de points de victoire. Ouais, 6 et 6, voilà, au hasard. Et vous avez après les goal average, donc c'est vraiment les points de ronde cumulés qui, là, vous voyez le malus qui est appliqué. Ça, c'est le premier type de malus, c'est malus de liste illégale. Typiquement, vous avez rajouté un World Trade de trop, ce genre de choses. Il y a un autre type de malus qui a été rajouté un peu après, pour justement éviter les trucs un peu. Enfin, qui a été de dire quand c'est un malus où le joueur est obligé de jouer avec quelque chose qu'il a oublié. Des sorts, par exemple, qu'il aurait oublié de mettre, ce genre de choses. Comme ça lui donne la possibilité d'adapter sa liste un petit peu avec celle des adversaires, potentiellement, il y a deux choix. Ou bien c'est tiré au sort et il n'a pas de malus. Ou bien il choisit et il a les malus de points de peinture. Ce qui, là, du coup, est ultra pénalisant parce que c'est 10 points par game. Ce qui est beaucoup plus fort. Et ça, ce truc-là n'était pas prévu au départ. C'est les ajustements, j'ai envie de dire, hein, au début. Voilà. J'ai personnellement eu moi-même, hein, je me suis raté sur mon allée. J'ai oublié de mettre un World Trade. J'ai payé le World Trade dans les entêtes. Je l'ai oublié de le mettre dans ma ligne. On m'a donné le choix de où il est tiré au hasard, où je le choisis, je prends moins 10 points, ou bah je récupère mon CP parce que de toute façon ma liste n'est pas illégale, c'est juste que bah voilà. Donc j'ai choisi la troisième option. Mais c'est un peu de là que c'est parti. Enfin, D'accord. c'est ce genre de cas. Donc, Outora, c'est vraiment ces deux cas-là. Ouais, donc, on s'est raté sur toute la ligne de A à Z en passant par V, quoi. C'est génial. Le malus, aujourd'hui, cette année, il est beaucoup moindre. Il est bien moindre en termes d'impact que l'année dernière, qui était directement le malus de 10 points de peinture par partie. Donc, si tu en as 2-3, on a une situation un peu aberrante, hein. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans le sud-est, où tu avais une équipe qui était arrivée, qui était limite à 4-20-0, parce qu'ils n'avaient pas rendu les listes. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je sais juste qu'ils commençaient, ils savaient qu'ils venaient, ils sont venus, mais ils savaient qu'ils étaient terminés derniers, qu'ils pouvaient rien gagner, quoi. Bon, il y a un juste milieu, je pense, qui avait été trouvé. Là, ça a été peut-être un petit peu trop léger. Du retour qu'on en a pour l'instant. C'est-à-dire que les gens estiment que c'est trop léger, c'est-à-dire que ceux qui font n'importe quoi au niveau des listes ne sont pas assez pénalisés, donc du coup ceux qui se font chier à faire l'effort comprennent pas trop pourquoi ils se font chier à faire l'effort. C'est toujours une histoire de poids de mesure et de trouver le bon curseur pour inciter les gens à avoir des listes. Sachant que dans les faits, ce qu'on veut, et quand je dis on, je veux dire les arbitres, à savoir pourquoi est-ce que tout ça on fait chier. Pour ça, c'est parce que c'est un temps fou. Enfin, c'est un temps fou les corrections, et il faut bien se rendre compte que avoir à corriger une liste qui va être écrite d'une manière normée va permettre de multiplier par x, des fois plus que 2, le temps de correction. Quand on fait sur le volume, c'est non négligeable, vraiment. De là à dire que, après les petites subtilités entre WTC, format FAQ, etc., les deux sont lisibles, voilà, c'est pas
à mon sens, ce n'est pas vraiment là qu'est le cœur du problème. Cette année, j'ai quasiment vu aucune liste qui était dégueulasse. Il y a eu des erreurs, parce qu'il y a des erreurs qui, c'est humain. Mais des listes vraiment horribles, cette année, j'en ai vu aucune. Moi, toutes les ligues que j'ai corrigées, que j'ai gérées, j'en ai vu aucune. Donc franchement, il y a eu un gros travail là-dessus de la part des joueurs, de toute façon. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est compliqué, de trouver un équilibre sur le fait de sanctionner les listes pour lesquelles il y a des erreurs, tout en évitant de décourager les joueurs, comme tu le disais justement, en évitant de se dire « bon, mais de toute façon, ça ne sert à rien qu'on y aille, puisque dès la correction de liste, on n'a plus aucune chance de faire une place intéressante. » Voilà. Après, c'est pas râler ou pas ? Non, bien sûr, de toute façon... Non, parce que moi, je me suis pris un malus de liste pour les trucs que les autres, ils avaient fait pareil. Ils avaient juste eu « tu dois changer ». Alors ça, tu le remontes. Donc, j'avais juste un problème sur les noms des stratagèmes pré-game. C'est-à-dire que la liste était valide, les PC étaient bons. Et c'était les noms des stratagèmes. J'ai mis deux fois Relic, une fois Vétéran Trophée de la Longueur, au lieu que ce soit l'inverse, parce que Relic, on a droit qu'à une fois. Et il y en a dans mon équipe, ils ont eu des soucis pour ça. Et on leur a dit, reposte ta ligne à jour. Et moi, on m'a dit, tu leur postes ta ligne à jour. Et en plus, tu as un malus de liste. Alors, dans ces cas-là, si tu penses qu'il y a eu et je dis pas que c'est pas possible, hein, clairement, on est X arbitre, on n'a pas tous la même sensibilité, ça arrive les erreurs. Par contre, ce qu'on veut éviter, et c'est ce qui est un peu embêtant, même pour moi, hein, je t'avoue que je suis plutôt du côté des gentils là-dessus, moi ce genre de truc, ça m'énerve un petit peu d'avoir à mettre des malus pour ça, mais il faut qu'on soit équitable envers tout le monde. Par contre, si tu vois que tu as eu une différence qui n'a pas été équitable, l'avantage de ce malus-là, c'est que ça t'a eu aucun impact en game, donc c'est cool. Voilà. Et ça peut être... On savait pas, mais oui, dans l'idée. Non, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que ça peut... Un malus qui a été rajouté sur MHQ parce qu'on pensait que tu avais besoin d'un malus et qu'en fait, s'il n'y a pas besoin, ça peut être du coup enlevé. C'est pas grave. Ça peut être corrigé. Si tu n'hésites pas à en parler à ton arbitre administratif, donc celui qui a géré c'est celui qui a posté les scénarios, qui a fait les appariements, ce genre de truc. Qui va en monter au RF et voilà, mais tu cites l'exemple, voilà, lui on a eu le même problème, il n'a pas eu de malus, moi j'ai un malus, pourquoi, hein, et normalement on devrait aligner, donc ou bien ton copain il aura un malus parce qu'en fait s'il est passé entre les mailles de filet, ce qui arrive, ou alors toi on va te l'enlever et il y aura un des trucs qui va se passer si c'est le même problème. Ok, merci. À mon avis, de ce que tu me décris, on va t'enlever le malus. Le fait d'avoir s'être trompé dans le nom, mais que tu n'aies pas dépassé le nombre de reliques possibles, c'est un souci, il faut arrêter. Quoi. Je trouve qu'il faut arrêter. Quoi, ce que tu dis est faux. Je m'insurge. Tu t'insurges ? Oui, parce que la personne qui vient de parler fait partie de la team Anvil L3, donc c'est pas possible qu'on lui enlève un malus. En tant que président des Anvil, je m'y oppose. Une team Anvil sans malus, c'est pas normal. Hein, nous, personnellement, c'est pour ça qu'on a quitté Anvil, c'est pour pas plus avoir de malus. Problème. Alors, voilà. C'est pas. T'inquiète pas, il y a pas de. Normalement, il y a pas de problème. Il y a pas de problème avec ça. Ça peut être enlevé ou ajouté après coup. Justement, ça. Comme il n'y a pas eu d'impact en game, c'est l'intérêt. Guillemets, c'est malus. Par contre, j'aimerais que tu fasses remonter l'info que la team bière et pistache, ils ont été en ville, donc ils méritent des malus aussi, s'il te plaît. Non, on est des repentis. Hein. des faux repentis. Bon, ben merci d'être passé, Ben Balot, pour nous avoir. Ben, hein, c'est juste parce que ce couillon de Twitch, il me permet pas de m'appeler Ben ou Balot juste, donc. T'inquiète. Il n'y a pas de souci. Bon, maintenant on sait que si on veut plus de malus, on te fait un petit virement et puis c'est réglé. Merci à toi. Non, j'ai pas ce pouvoir du tout. Je ne veux surtout pas l'avoir d'ailleurs. Non, il faut juste utiliser des vrais outils pour faire vos listes. Il y a une pub cachée dans cette phrase. Oh là là. Bon, merci à tous. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé. À ce débrief de la L3, PACA. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats. Je pense que ce week-end, je vais faire un petit peu relâche parce que je fatigue un petit peu. On en parlait tout à l'heure avec Urs, hors antenne. Je suis à 62, avec celle-ci, 63 vidéos. Donc,
en 4 mois, c'est quand même pas mal. Hein. Et donc, ouais, ça fait beaucoup de volume, mine de rien, même si c'est toujours du direct, etc. Ça demande du temps. Et donc là, je suis un petit peu fatigué, je vais aller me reposer ce week-end, mais que ce week-end. Bon, autant je dis ça et autant ce week-end, je fais déjà une brève. Je me connais. je suis fatigué maintenant, mais une fois que je me réveille demain, je dis ouais, il faut que j'aille faire la brève. Et pas la bringue, hein, la brève. Moi, j'espère vraiment que la L1 sera suivie, enfin, qu'on pourra la suivre sur MHQ. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a la L1 ce week-end, tout à fait. Ouais. Parce que sur MyObiApp, moi, je pourrais pas. Bah, je crois que Ed Arian a dit qu'il donnerait un petit peu des infos. Ah oui, c'est pas AWC, donc ça sera sur MHQ. C'est... En tout cas, moi, Arian... ce que je constate, c'est que vous avez du mal à suivre la L1, et nous, le L3, on a été suivi par BFM. J'ai vu, c'était très bien d'ailleurs, c'était super. J'ai vu le petit article. Félicitations pour ça. Non, mais c'est cool, ça donne la visibilité au hobby, je trouve ça. Ouais, bah sûr, ouais, ouais, c'était... C'est encore une fois, c'est l'asso, bah, Salt War Games, c'est Alexis et Thomas qui ont organisé ça. Et effectivement, ça donne un peu de reflet non seulement à l'association, mais surtout au hobby. Je trouvais que c'était sympa. Ah non, mais c'était carrément classe. Hein. Et pour le coup. Enfin, après, c'est peut-être moi, mais enfin, moi, j'ai vraiment en tête les vieux rapportages sur les jeux vidéo et autres avec le ton à peine condescendant de la voix off. Et là, j'ai pas senti ça en fait. C'est ça qui était cool. C'est ça qui était cool. Il y a un vrai respect pour le truc, quoi. Ouais, ils ont été super. Même les questions étaient super pertinentes, etc. Et non, je trouve que le reportage, il est sympa. Ouais, mais je l'ai vu. J'ai trouvé ça super cool. En tout cas, bien joué pour ça. Ben merci beaucoup. Ben, parfait. Et encore merci à tous les intervenants d'être venus. N'oubliez pas que cette vidéo va être... Je t'enverrai la facture. Oui, aussi. Cette vidéo va être renvoyée sur YouTube prochainement. Donc vous pourrez suivre ce débrief de la L3 PACA. Et puis n'hésitez pas, hein, comme j'en ai parlé, là, 60 vidéos, donc vous avez du contenu. Faites-vous plaisir et faites-moi plaisir en mettant des petits pouces, en laissant des commentaires, des choses comme ça. C'est toujours motivant d'avoir des retours et puis ça m'aide aussi à améliorer mon contenu, hein, tout simplement. Voilà, merci à vous les gars et on se dit à bientôt. Merci Manu. À bientôt. Bientôt. Merci à tous. Au revoir, ciao, à bientôt. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.